Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. We are going to read the book of Hebrews chapter 9. Verset 10. Verse 10. C'est la page 1349. 1350 plutôt. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la réforme. Concerned only with foods and drinks, various washings and fleshly ordinances imposed until a time of reformation. Alléluia. Hallelujah. Je sais que beaucoup sont fatigués. I know a lot of us here are tired. Pas toujours facile de passer toute une après-midi comme ça, toute la matinée, après-midi, la soirée, la nuit. It's not always easy to be here all day seated. Ce n'est pas facile. It's not easy in a seated position. It's not easy. Mais nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur. But we do it because we love the Lord, right? Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Cette lettre. This letter. A été envoyé aux personnes originaires d'Israël. Has been sent to people coming from Israel. Et ces Hébreux mélangeaient la loi et la grâce. And those Hebrews used to mix the law and the grace. Et l'auteur, poussé par l'esprit, leur a écrit cette lettre pour les inviter à sortir de la loi. And the author, compelled by the Holy Spirit, wrote this letter to urge them to draw away from the law. Cette lettre a été écrite avant la destruction du temple. And this letter was written before the destruction of the Donc, temple. Donc ces Hébreux qui croyaient à Yeshua continuaient à observer les rites mosaïques. So those Christians who believed, those Hebrews who believed in Jesus, kept on following the Moses' ordinances. Beaucoup étaient encore attachés au temple. A lot of them were still attached to the temple. Aux divers sacrifices. The diverse sacrifices. En fait, l'histoire de ce peuple. So the story of these people. De ces chrétiens. These Christians. Est similaire à l'histoire du christianisme actuel. Is similar to our modern Christianity. Il y a un mélange de la loi et de la grâce. It's a mixture between the law and the grace. Et un mélange aussi de des traditions humaines. And also a mix. Of human traditions. En fait, il n'y a rien de nouveau sur terre. Thing is, there's nothing new Ce qui existe a déjà existé. What is has already been. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. That's what Ecclesiastes says. Alléluia. Praise the Lord. Ils croyaient en Yeshua. They believed in Yeshua. Mais ils gardaient les rites. But still, de la loi. They would still keep the la circoncision. Of the law. Circumcision. Le paiement de la dîme. Tithing, l'attachement aux traditions humaines, traditions of man, et l'auteur leur dit, and the author says, le sacerdoce a changé, the priesthood has changed, dans Hébreux 7 et 12, in Hebrews 7 and 12, et nécessairement il y a un changement de la Torah, so certainly there should be a change of the Torah, changement de la loi, a change of the law, alléluia, praise God, en fait le Seigneur n'est pas venu pour condamner Moïse, il est venu pour accomplir la loi de Moïse. The Lord didn't come to condemn Moses, but actually came to accomplish the law of Moses. Mais il y avait vraiment une confusion. But there was a confusion here. Et l'auteur leur dit. And the author says. Après avoir parlé à nos pères. After talking to our fathers. À plusieurs reprises, de plusieurs manières. On different occasions, different ways. Elohim nous a parlé dans en ce dernier temps par le Fils. Elohim has spoken to us through the Son. Il est en train de leur dire. And he's saying que Yeshua that Yeshua est la finalité de la loi, de la Torah. The accomplishment of the Torah. Qu'il fallait passer de Moïse à Yeshua. That they should transition from the Mais law. Mais il y avait encore cette confusion. To the grace, but the confusion Quand remained. Yeshua est venu. When Yeshua came around, il a dit au chef juif. He told to the chiefs.
vous annulez la parole du Seigneur pour par votre tradition. You annul the law of Moses by your traditions. Nous sommes dans un temps où beaucoup de chrétiens sont fatigués. We're in a time where most of the Christians are worn out. Beaucoup sont chez eux. Many are staying at home. Beaucoup prient chez eux. Many pray at home. Pourquoi? Why? Parce que beaucoup sont fatigués. Because many, like I said, are weary. Beaucoup ont constaté que nous sommes malades, que les églises, la plupart sont malades. Many have realized that most of the churches are sick. Donc il faut une réforme. So a reformation is needed. Vous n'avez pas vu que même dans le monde on parle de plus en plus de réformes. Even in the world we're talking more and more about reformation. Les réformateurs protestants disaient. The Protestant reformers used to say. L'église réformée est toujours à réformer. The reformed church is still in the process of being reformed. Ils étaient conscients. They realized. Que la réforme n'était pas finie. They were aware that the reformation was still in process. Alléluia. In work in progress. Paul disait. Paul used to say. Je n'ai pas encore atteint la perfection. I haven't reached perfection. Ni Paul ni nous. Neither Paul nor ni us. Ni vous et moi. Neither nous you tendons nor me. Vers la perfection. We are headed towards perfection. Or il se trouve. And it happens. Que ces églises réformées. That those reformed churches. Au 16e siècle. Back in the 16th century. Stagnent. Stagne, reste sur place, fondu sur place. They just go around in circle. Il faut passer à autre chose. They stagnate, but we need to move on to some. They need to move on to something else. Et il faut de nouveau une réforme. And a reformation is needed. Le Seigneur a accompli les choses de manière parfaite. The Lord has perfectly accomplished Mais things. Mais c'est nous qui avons un problème. But we are the issue here. C'est nous qui avons un problème. We are the issue. Alléluia. Praise God. Oh. Frères, sœurs, brothers and sisters, il faut véritablement revenir à la parole. We need to go back to the word of God. La réforme, reformation, la réformation, reformation, restaurer les choses qui ont été abîmées, restoring things that have been damaged, les restaurer dans leur condition initiale et normale, restore them into their initial les state. Choses qui ont été défaites, things that have been defaced. Il faut le redresser. Have been straightened back up. Mais on ne peut pas faire de réforme sans l'opposition. But there can't be no reformation without opposition. Toute réforme produit une opposition. Every, de l'opposition. Every reformation triggers opposition. La réforme protestante, the Protestant reformation, a produit une réaction de l'Église catholique. Stirred up a reaction in the Catholic. C'était notamment le Concile de Trente. Like the Council of 30. De Trente. Qui a duré plus de 15 ans. Which lasted for over 15 years. Alléluia. Praise the Lord. Vous êtes là? Are you here? Il faut une réformation. It needs a reformation. Nous sommes appelés à grandir. We are called to grow up. À aller de gloire en gloire. To go from glory to glory. Mais beaucoup de croyants ne veulent pas sortir de leur confort. But many believers do not want to go out of their comfort zone. Et souvent le Seigneur nous y oblige. And most of the time the Lord forces us to come out of this L'auteur comfort zone. Dit the author says que Yeshua, that Yeshua, c'est lui Melchizedek. He is Melchizedek. Qu'il fallait aller vers lui. That we needed to head Mais to ces him. Chrétiens hébreux But the Christian, Hebrew Christians, disaient non, nous voulons aussi nous attacher à nos traditions. Let's say, well, we want to also attach to our traditions. Frères, sœurs, brothers and sisters. Il y a les traditions du Seigneur. There are traditions of the Lord. Il y a aussi les traditions des hommes. But there are also such thing as the man's traditions. Je me suis converti il y a 33 ans. I gave my life to Christ over 30 years ago. Étant pentecôtiste. Being Pentecostal. Croyant que le baptême du Saint-Esprit avait pour signe initial le parler en langue. Believing that the baptism of the Holy Spirit had as a token the ability to speak in tongues. Ensuite, on a quitté les pentecôtistes pour aller chez les baptistes. Then we went from Pentecostal to Baptist. Je me suis rendu compte que les pentecôtistes s'attachent beaucoup au parler en langue. And because I realized that Pentecostal people, they attach themselves to the ability to speak. Il n'y a pas que tongues. Ça. But it's not it. Oui, il y en a qui parlent de la sanctification. Right, they speak about sanctification. Mais si vous and ne parlez pas en langue chez eux, but if they wouldn't speak in tongues back home, vous pouvez vous sentir très mal.
you could feel very, very uncomfortable. Donc le parler en langue devient plus important que celui qui donne le parler en langue. So the speaking in tongues becomes more important than the one who gives. On est parti chez les baptistes. For some people, we went to the Baptists. On a vu que là-bas l'accent était mis sur le baptême. And we saw there that everything was centered around baptism. Et je me suis rendu compte que beaucoup étaient baptisés sans avoir véritablement reçu le Seigneur dans leur cœur. And I realized that many were baptized without being born again. Donc le baptême était juste une douche, un bain qu'ils avaient pris. Baptism was pretty much some type of shower, I guess. On est allé chez les Adventistes. Then we moved on to going to the Adventists. Je me suis rendu compte que eux, ils sont beaucoup plus attachés au Shabbat. And I realized that they were more attached to Sabbath. Alors j'imagine mal un homme amoureux qui attend un jour particulier pour parler à sa femme. So I have a hard time picturing somebody who claims to be in love to wait for a very specific day to talk to his loved one. Et je suis allé chez les catholiques un peu. So then I went to the Catholic for a minute. Je me suis rendu compte que c'est bizarre parce que celui que l'on voit là-bas, Yeshua en question, qui devient une statue, ne parle pas. And I found it very weird that in the Catholic that Jesus still up on the tree is not able to talk. Et je me suis rendu compte que chez les saints là-bas, il y a pas beaucoup de Chinois, beaucoup de Congolais. In the Catholic, the saints, there is no such thing as Chinese. Donc, j'ai pas trouvé mon compte. Ones, so I couldn't find my part. Je suis parti chez The Way International. I went to The Way International. La Voix. The Way. Là-bas, pareil, le parler en langue. Same, I mean, it was the same thing. Il fallait l'avoir à tout prix. Tongues, you should, alors là-bas, on t'apprenait à parler en langue. Over there, they would literally teach you how to speak in tongues. Tu suis des cours et puis après la fin, on t'impose les mains, on te dit répète. And then at the end of the training, you get laid hands on. Je n'étais pas non plus satisfait. Words, and I wasn't satisfied either. On a essayé les églises dites de réveil. We tried the revival churches. Je me suis aperçu que beaucoup, en fait, la plupart sont plutôt des églises endormies. Well, I realized that most of them churches are actually sleep churches. Parce que des dirigeants ont pris volontairement la place du Seigneur. Because the leaders willingly took the position of the Lord. Ils prennent l'impôt qu'on appelle la dîme. And they took that tax that's called tithe. Il faut leur verser sous prétexte de sous hein, il y a des menaces. Hein, donc si tu ne donnes pas la dîme, on te menace de malédiction. You literally get threatened unless you give your tithe. Et puis je me suis aperçu que non, c'est pas ça. And then I realized that it's not it. Et en 2003. And in 2003. Le Seigneur est venu. The Lord came. Alors que j'étais pasteur d'une grande assemblée à Draveil. I was a pastor of a great assembly in Draveil. Il est venu me donner un coup de pied derrière. He came around and gave me et nous a mis dehors. And he kicked us out. On a perdu cette grande salle. We lost that big, the huge building. Et c'est là qu'il a commencé à m'enseigner autrement. And that's when he started teaching me differently. Il commençait à me parler de la réforme des cœurs, la réforme de nos églises. He would teach me about reformation of hearts of our churches. J'ai dit, mais Seigneur, mais quelle réforme? Lord, what reformation? Il a commencé très doucement. He started real soft. Il a commencé par la dîme. Started with tithing. La dîme. Tithing. Ça a choqué. It offended. Ça a amené beaucoup de désordre. It brought a lot of confusion and disorder. Des gens sont partis. People left. Et ensuite, il y a eu la gratuité de l'évangile. Then the fact that the gospel. Le Seigneur a dit, free. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. The Lord said, you receive freely, you should give freely. On ne doit pas vendre la parole du Seigneur. You shouldn't sell the word of on God. Ne doit pas vendre des chansons que le Seigneur nous donne. You shouldn't sell the songs that on the ne Lord doit pas you. Vendre la formation biblique. You shouldn't sell biblical training. Rien. Nothing. Mais je me suis rendu compte que ça a amené aussi beaucoup de désordre. And I realized that this also brought a lot of confusion and disorder. Ça this message. M'a créé beaucoup d'ennemis. It's created a lot of enemies. Vous vous rendez compte que si on vendait cette version-là, you realize if you were to sell this version, on allait empocher près de plus d'un million d'euros. We could have been able to make more than 1 million euros. Et le Seigneur a dit, donnez gratuitement. But the Lord said, give freely. Nous, on se disait, c'est bon, on a tout compris, c'est bon, c'est fini. We were like, we got it all, it's over. Mais le Seigneur disait, ce n'est pas fini. But the Lord said, it's not over. Non, ce n'est pas fini. It's not. Vous voulez que je parle? Should I speak on? Vous n'êtes pas fatigué? Aren't you tired? Un peu quand même.
A little bit. Un peu, oui, un peu. Come on, a little bit. C'est normal qu'on soit fatigué. It's okay to be tired. Il y en a qui disaient, ça y est, ils sont devenus fous. Some were like, they got crazy. D'autres me disaient, c'est une nouvelle secte. Some others said, it's a new cult. Une secte. A cult. Où l'on vous dit de faire ce que le Seigneur vous dit de faire. Where you're told to do whatever the Lord tells you to do. Où l'on ne vient pas chez vous pour vous donner des ordres. Where people do not get to your places to give you orders. Où l'on vous dit votre argent, vous pouvez l'utiliser pour aider vos familles. Where you're told that your money you can spend it on your family. Où l'on vous dit de respecter les autorités comme la parole l'enseigne. Where we tell you to respect authorities like the Bible teaches us to do. Une secte où l'on vous dit que nous ne sommes pas vos pasteurs. A cult where you're told that we are not. Allez vous-même prier le Seigneur. Go and consult with the Lord. Il fallait amener les gens à aller les pousser à aller vers le Seigneur. We needed to push the people to go to la the réforme des cœurs. Hearts, ça a amené beaucoup de désordre. Brought a lot of disorder. Beaucoup de désordre. Lot of disorder. Ce message a commencé d'abord par me travailler moi-même. This Moi. Message started working through Nous me first. Qui étions à l'intérieur, we who were dans les in assemblées, the inside, in the assemblies, frères, sœurs, brothers and sisters, chaque année, each year, on allait dans le monde entier prêcher la parole, invité par des grands pasteurs selon les hommes. We would travel around different countries, preach the gospel, invited by great pastors. Et le Seigneur disait, il faut la réforme. But the Lord was like, reformation is needed. Mais réformer quoi? But in order to reform what? Réformer la parole? Non. Reforming the word of God? La parole du Seigneur est vraie, elle est juste, elle est pure. The word of God is true, pure and just. On ne réforme pas la parole du the Seigneur. The word of God can't be reformed. Elle a été révélée aux humains de manière parfaite. It has perfectly been revealed to La révélation, them. C'est-à-dire les livres de Genèse à Apocalypse sont, n'est-ce pas, cette révélation est parfaite. The revelation from Genesis all the way through Revelation is perfect. Donc ce sont nos cœurs. So it's actually our hearts. Nos cœurs. Our hearts. Donc nos vies. Our lives. Nos familles. Our families. Notre manière de concevoir le Créateur. The way that we conceive the Lord. Notre manière de concevoir l'amour. The way that we perceive love. Notre manière de concevoir l'assemblée du the Seigneur. The way that we perceive the church of Frères, God. Sœurs. Lord. Brothers and sisters. Nous sommes nés dans la déviation. We were born in deviation. Pour la plupart, For most of us. Avec une influence, avec un héritage pour certains catholiques, d'autres protestants, with a Protestant or Catholic heritage, où on nous a enseigné à nous attacher aux hommes plutôt qu'au Seigneur, where we were taught to attach to men instead of the Lord, attaché à rentrer dans les groupes au lieu de servir le Seigneur simplement dans le quotidien, to seek to join groups instead of serving the Lord day to day. On nous a appris à chercher à intégrer des groupes. We were taught how to join groups. À chercher de place, de position. To find functions and positions, really. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de problèmes dans nos assemblées. This is one of the many reasons there are so much trouble in Le our churches. Le positionnement. Positioning. La course au positionnement. The race after positioning. À la reconnaissance des hommes. To be acknowledged by men. Et le Seigneur est venu démonter tout ça, casser the Lord, tout ça. And the Lord came around and he tore down all of this. Alléluia. Praise God. Oh Seigneur. Thank you Jesus. Réformer l'homme. Reforming man. Ah oui, c'est l'homme. Man, indeed. Pourquoi? Why? L'homme a été créé parfait. Men were created Mais cet homme perfect. Est devenu malade. But this man got sick. Oh oui, malade. He became sick. Malade. Sick. Regardez. Look here. L'héritage. The inheritance. L'héritage des hommes. Man inheritance. Vous savez qu'il y a des personnes qu'on appelle pères de l'église. You know there are people there are such thing as fathers of the church, oui, right? Oui, il y a des personnes qu'on appelle pères de l'église. Yes, it's a thing. Qui sont appelés comme ça. It's such a thing like fathers of the church. Et la plupart des doctrines que nous avons and most of the modern doctrines sont des doctrines qui sont issues non de Paul, Pierre, Jacques et Jean. Our doctrines we came not from Paul or John. Mais des pères de l'église. But from those fathers of the churches. Et la plupart de ces pères de l'église, and most of those fathers of the les churches, apôtres ne les ont pas connus. The apostles didn't, je veux dire, ils n'ont pas connu les apôtres.
Maybe should I say they didn't know the apostles. Donc la majorité de nos églises, so the majority of our churches, ont pour fondement les doctrines de père de l'église. Are founded upon the doctrines of the fathers. Je veux vous dire qu'il y a un seul père. I need to tell you it's only one father. Un seul père. One father. Un seul père. One father. Alléluia. Praise God. Un seul. One. Il est là-haut. He's up there. Donc non seulement que l'homme est abîmé par le péché, so not only is man damaged by la haine, hatred, la jalousie, jealousy, le meurtre, murder, l'homme est aussi abîmé par des traditions d'homme. But also man is damaged by man's traditions. Posez-vous la question. Ask yourself. Pourquoi faisons-nous les choses telles que nous le faisons? Why do we do things the way we pourquoi? Do? Pourquoi? Why? Vous vous rendez compte que on m'a fait croire qu'il y a un vendredi qu'on nomme vendredi saint. You realize that I was told that there's a Friday that's called the qui Holy Friday. Qui serait le jour de la mort de Yeshua? That supposedly would be the day of the death of Jesus. Héritage, tradition d'homme. Tradition of men. Alors qu'il n'est pas mort en vendredi. When he didn't even die on the Friday. Vous vous rendez compte? Do you realize? C'est rentré là-dedans. He got in here. Allez sortir les gens de cette fausse doctrine. Go and try to get people out of this false doctrine. Voilà pourquoi il faut la réforme. That's why your reformation is needed. Yeshua dit. Yeshua said. Qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits sous terre. That he would spend 3 days and 3 nights vendredi, à samedi, un jour, une nuit, samedi, dimanche, deux jours, deux nuits. Saturday, one day, from Saturday to Sunday, two days. Et dimanche, lundi soir, from ça l'amène. Monday, 3 days. Si vraiment il était mort en vendredi. If really he was dead on il the Friday, ressuscité un lundi soir. It would have been resurrected on ça the Monday pose un problème. Night. It's an issue. Donc le vendredi saint n'existait pas. So there's no such thing as a holy selon Friday, la parole. According to the word. Alléluia. Vous voulez que je parle, frère? Should I speak on? Il faut une réforme. A reformation is needed. Je veux dire à quelqu'un, même si vous ne voulez pas de la réforme. I want to tell somebody, even if you refuse dire, that reformation. C'est pas nous qui l'avons commencé. We didn't start it. La parole dit. The word says. Que le Seigneur a imposé la loi mosaïque. The Lord has imposed the Mosaic. Jusqu'au temps de la réforme. Up until the time of reformation. Et le plus grand réformateur. And the biggest reformer. C'est Yeshua. Is Yeshua. Alléluia. Et l'instrument qu'il a utilisé pour te réformer, me réformer. And the tool that he used to reform both you and I. C'est la croix. Is the cross. La croix. Cross. Où est le message sur la croix? Where's the de la message croix? On the cross? Il a disparu. It's gone. De la plupart de nos assemblées. It went out of et remplacé of par quoi? And it's been replaced with la what? Doctrine de la prospérité, bien évidemment. The prosperity gospel. Comment? Mensonge du diable. Tu as tout à fait raison. Je veux dire à quelqu'un. I want to tell someone. Jésus, le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que toi tu deviennes riche financièrement. The Lord didn't die on the cross for you to be financially rich. Il est mort à la croix pour que tu deviennes dépendant de lui sur tout le plan. He died on the cross for you to depend on him on all across the board. Alléluia. La croix. Cross. The cross. Alors parlons de l'homme. So speaking of men. L'homme. The man. La Bible dit dans Genèse 2. Bible says in Genesis 2. Yahweh Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Formed man from the dust of the earth. Et il souffla dans ses narines. And he blew through his nostrils. Un souffle de vie. A breath of life. N'est-ce pas? Right? Un souffle de a breath of life. Et l'homme and man devint became une âme a living soul. Comment? A living soul. Une âme vivante. A living soul. Ah! Écoutez. Listen here. L'homme est devenu. Man became. Une âme vivante. A living soul. Donc avant que cette âme ne devienne vivante, elle était comme Paul. Meaning. De mort. Before this, l'âme man était... became a living soul. What was it? L'âme était morte. The soul was dead. D'accord. We agree? L'homme est devenu une âme. Man became a living soul. Donc, il a créé, lorsque l'homme a été créé,
So meaning when man was created, il a d'abord connu la mort. He first knew death. Donc, he first experienced death. So, la réforme, reformation, c'est d'abord la mort. Starts off with death. Je dois mourir par rapport aux acquis. I must die in regards of the acquired things. Mes pères dans la foi. From my fathers in the faith. Pas tout, mais la plupart des choses qui not n'ont all of it, rien à voir avec l'évangile. Most of the things that have nothing to do with the word of God. Or, beaucoup ne veulent pas mourir. But many don't want to die. C'est-à-dire abandonner ces choses. Meaning rejecting those things. Quand j'étais pasteur, when I used to be a pastor, chaque mois, each month, on avait 10 000 euros de dîmes. We would make 10,000 euros worth of tithes. Mais j'avais des fiches de paye de 500 euros par mois. Je ne voulais pas prendre plus, juste 500 euros de salaire. And I would make only 500 euros. Et le Seigneur est venu dire, la dîme c'est la loi. Il ne faut plus enseigner. The Lord said, the tithe is of the law. Dit, non, we non, shouldn't non, preach non. It. People said, no. Non, non, faut pas mourir par rapport no, à ça. We can't die in regards of that. L'homme est devenu. Man became une âme vivante. A living soul. Regardez. Look here. Vous avez vu? See? On nous dit que il y a eu quoi? Le vent, le souffle, n'est-ce pas? Where God says the breath. Hein? Right? Le souffle. The breath. On est d'accord? We agree? Okay. Le souffle est venu sur qui? Who did the breath come upon? Sur qui? Who did the breath come upon? Sur Adam, on est d'accord, hein? On Adam, right? Mais Adam était vivant, il bougeait, il était inerte. Dead or alive? Qui croit qu'il ne bougeait pas? Who believes that he was not moving? Donc, il a été créé. So he was created. Mort. Dead. Il a connu d'abord la mort. He experienced death first. Le Seigneur ne peut pas se servir de toi. The Lord can't use you. Si tu n'es pas d'abord mort. Unless you are first dead. Tu comprends ça? On acclame le Seigneur. Alléluia. Give a shout of praise to the Lord. Donc un mort, so a dead person, un mort, pas n'importe quel mort, not just only dead person, un mort qui commence à sentir mauvais, you know, a dead person who starts reeking, et tes amis doivent t'abandonner, and your friends have to give up on you, les proches doivent s'éloigner, la plupart ils vont s'éloigner, your family members have to step away from you, il faut d'abord qu'ils commencent à douter de toi, they have to doubt you first, à douter de ton appel, they have to doubt your, à douter de celui qui t'a façonné, créé. They have to cast doubt on the one who created you. Tu dois passer par là. You need to go through this. La réforme commence par la mort. Reformation starts off with death. Alléluia. Praise God. Le souffle. Un souffle. The le breath, souffle de breath, vie. The breath of life. Dans ce corps là, within this body, il n'y avait pas encore le souffle de vie. There was no breath of life. Le souffle est venu. The breath came down. Vous avez vu non? Si. Okay. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? What happened? Cet homme, this man, qui s'est mis debout, who got up, parce qu'il a reçu le souffle, after receiving the donc breath, la vie, so meaning life. Yehoshua dit quoi? Yehoshua, le voleur ne vient que pour voler, the thief only comes to dérober et égorger, to steal, destroy. Mais moi, je suis venu, kill, but I came pour que mes brebis, so that my sheep, aient la vie, have life, et que l'aient en abondance, and have it abundantly. Vous avez vu? Come on. Le souffle de nouveau est venu. The breath of life came back. Pourquoi? Why? Parce que Adam l'avait perdu. Because Adam had lost it. À cause du péché. Because of sin. L'homme était de nouveau mort. Man was dead. Et dans Genèse 6, in Genesis 6, Elohim a retiré son souffle, l'esprit. Elohim took away his breath, the spirit. Fini. Over. La mort. Death. La mort spirituelle. The spiritual death. La mort physique après. Physical death right after. Des années après. Years later. Le Seigneur va établir Moïse. The Lord established Moshe. Avec une loi provisoire. With a temporary law. Imposée jusqu'au temps de la réforme. Imposed all the way through c'est-à-dire the time of reformation. Jusqu'au temps où un autre souffle allait venir. Meaning that somewhere another breath would come along. Et quand la vie est venue. And when life came la along. La parole nous dit. Word of God says. Au commencement, in the beginning, était la parole. Was the word. Et la parole était vers l'Elohim. And the word was with God. Et l'Elohim était
la parole. And Elohim was the word. En elle était la vie. In him was life. Et la vie était la lumière des hommes. And life was the light of man. Et cette parole est devenue chair. And this word was made flesh. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette parole? What did this word do? Elle est venue nous réformer. It came and reformed us. Elle a vécu 33 ans. Lived 33 years. Simplement. Simply. Elle était dans cette parole était dans quelle organisation ecclésiastique? What kind of church organization was this word part of? Elle était laquelle équipe, laquelle groupe? What team, what group was it part of? Oh, come on, come on. Il faisait partie de quelle fédération de pasteurs? What pastor federation was this word part of? Il faisait quelle conférence avec quel bishop avec des photos? What conference would this word team up with pictures and stuff? Il a pris 120 personnes. It took 120 people. 120. 120. Un nouveau corps. A whole new body. Comme Adam. Like Adam. Il a formé ce corps. Shaped that body. Pendant 3 ans. For 3 years. Il a façonné. He molded. Tel un potier. Such a potter. Comme il a fait au commencement avec Adam. Like he did back in the time of Adam. Avant que le souffle ne vienne. Right before the breath il of life came into Adam. L'homme. Il a formé Adam. He formed Adam. Avec quoi? With what? Avec quel matériau? With what material? L'argile. Clay. L'argile. Clay. La poussière de la terre. The dust of the earth. Et Adam a échoué. And Adam failed. Mais il n'abandonne pas son œuvre. But he didn't give up. Ce qu'il a commencé, il achève toujours. Whatever he starts, he finishes. He goes through with it. L'œuvre qu'il a initiée, il achève. The work that he starts off, he goes through with it. Il a imposé la loi. Après, il est venu. Years later, he imposed the law, but then he came along. Il a pris 3 ans. 3 years. Il a façonné les 120. He shaped the 120 people. Il a pris Pierre. He called Peter. Un homme coléreux. Quick-tempered man. Il a façonné. He shaped him. Il a brisé. He broke him. Il a pris Jean. He took John. Johanan. Il a brisé. He broke him. Il a pris Jacob. He took Jacob. Il a brisé. Broke it. Il a pris Lévi. He took Levi. Il a brisé. Broke him. Il a pris n'est-ce pas Thaddée, il a brisé. He took all 3 ans. 3 years. Le corps était formé. The body was shaped. Mais il leur manquait l'essentiel. They were missing the essential. Le souffle de vie. The breath of life. Come on. Hallelujah! Amen. Il a dit à ce corps. He said to that body. Ne quittez pas Jérusalem. Do not leave Jerusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Do not leave Jerusalem. Il y a des endroits qu'il ne faut jamais quitter. There are places you should never leave. Hey! Come on. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur a permis que tu sois quelque part. It's a reason why the Lord has allowed you to be somewhere. Hallelujah! Je parle prophétiquement à quelqu'un. I'm prophetically talking to somebody here. N'écoute pas tout le monde, écoute l'esprit du Père. Do not listen to just anybody, listen to the voice of the Spirit. Il y a connexion et connexion. There are connection and connection. Il y a rencontre et rencontre. There are encounter and encounter, yo. Ne quittez pas Jérusalem. Do not leave Jerusalem. Le corps était formé. The body was shaped. Dans la chambre haute. In the upper room. Pendant 40 jours. For 40 days. Ils intercédaient. They would intercede. Ils intercédaient. They were interceding. Ils avaient peur. They were afraid. Parce que c'était des morts. Because they were dead. Qui attendaient la vie. Waiting for qui attendaient la vie. Life. Hey, yeah, 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 yeah. Il y a quelque chose ici là. It's something up in here. Ne soyez pas choqués. Don't be shocked. Il y a des choses qui se passent. It's things happening here. Sauve-nous, Seigneur. Save us, Lord. Il a refait la même chose qu'au commencement. He did the same thing. Vous savez pourquoi? Why? Parce que c'est Yeshua là. Because Yeshua. Mais c'est lui qui a façonné Adam. He's the one who shaped Adam. C'est lui l'architecte par excellence. He is the excellent c'est lui architect. Le bâtisseur. He is the builder. Il a dit aux apôtres. He told the apostles. Qui suis-je au dire des hommes? Who am I in people's moi, le fils de l'homme. Opinion? Me, the son of il dit à of Pierre. Man. He said qui a reçu Peter, la révélation? Who received the revelation? Tu es le fils d'Elohim. You are the son of Elohim. The Messiah. Il dit, tu es béni. You are blessed. Tu n'es pas béni parce que tu as l'argent. You are not blessed because you parce got money. Parce que l'argent peut être la source de beaucoup de problèmes. Because money could be the root of a lot of troubles. D'angoisse. The root of de peur, anguish, de manque de sommeil, fear,
does. Sleepless la nights. Peur d'être volé. The fear of being robbed. Mais la bénédiction. But blessing, c'est la vie. Is life. La vie. Life. C'est la joie. Joy. C'est la paix. Peace. C'est la foi. Faith. C'est la sainteté. Holiness. C'est la justice. Justice. C'est l'intégrité. Integrity. La simplicité. Simplicity. La sanctification. Holiness. Il dit. He said. Et moi je te dis. And I tell you. Tu es Petros. You are a Petros. Et sur ce Petra. And upon that Petra, rocher, this rock, je bâtirai. I shall build. Oh non, je veux faire partie. Je fais partie de l'ecclésia que Yehoshua a bâtie. I'm part of the ecclesia that the Lord has built. Il a bâti cette église. He built that church. Il a construit cette assemblée. He built up that assembly. 40 jours. 40 days. Après sa mort. After his death. Il est monté. He ascended. Il est monté. He ascended. Il est monté. He ascended. 10 jours après. 10 days later. C'est-à-dire 50 jours après sa résurrection. 50 days after his death. La Bible dit. The Bible le says. Le jour de la Pentecôte. On the day of the Pentecost. Il y a eu un bruit. There was a noise. Lorsqu'un enfant vient au monde. When a child is born. Quoi? What happens? Noise. Il y a le souffle, breath, il y a de l'eau, water, la femme perd les eaux, the woman breaks water, there's a cry, il y a le mouvement, it's a movement, il y a l'être, being, the being, il y a eu un bruit, it's been a noise, d'enfant soufflant avec impétuosité, a noise of a rushing wind, et là nous sommes dans acte 2, and we are in Acts 2. Ce bruit a rempli toute la maison où les gens étaient assis. And this noise filled up the place where everybody was gathered. Oh Seigneur. Oh Lord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What did they do? Ils sont restés enfermés? Did they stay shut in? Comme les baptistes? Like the Baptists? Comme les pentecôtistes? Like the Pentecostals? Comme les églises de réveil? Like the revival dans churches? Dans leurs bâtiments climatisés? In the ils sont AC sortis. Churches? They came out. La naissance d'en haut. The birth from above. Que personne ne te contrôle. Let nobody control you. Que personne ne t'impose sa religiosité. Let nobody impose their religiousness on you. Tu sais quoi? You know what? L'église est composée. The church is composed of. L'église est composée. La véritable assemblée. The true church consists in. Des vents. Winds. Des vents. Winds. Nés d'en haut. Born from above. Contrôlé en vent. Control. Go ahead and try to control the winds. It's impossible. Laisse les gens te traiter de gourou. Let people call you guru. Parce qu'ils ne peuvent pas te contrôler. Because they can't control you. Laisse les gens t'insulter. Let people call you parce qu'ils ne peuvent pas te comprendre. Because they can't understand you. Parce que tu es né d'en haut. Because you were born from above. Je veux parler à quelqu'un. I want to talk to somebody. Le Seigneur a commencé un travail de réformation dans ton cœur. The Lord has started a job of reformation to your life. Tu n'as pas le choix. You have no choice. Le vent a soufflé. The wind has blown. Pierre. Peter. Qui était timide. Who was shy. Pierre. Peter. Qui avait peur. He was afraid. Jean. John. Qui avait peur. He was afraid. Ils sont sortis. They came out. On leur a dit ne prêchez plus en son nom. They told them do not preach this ils ont dit, name nous anymore. Ne pouvons ne they pas parler cannot, de ce que nous avons entendu et vu. The things that we've heard and frère, seen. Brothers. Quelqu'un d'amoureux est inarrêtable. On peut pas l'arrêter parce que somebody who's in love is unstoppable. A loving person is unstoppable. Somebody's in love. Cette église, is unstoppable. Elle n'était pas baptiste. This church was not Baptist. Elle n'était pas pentecôtiste. It was not Pentecostal. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire. And I was meaning to tell que you. La première église. That the first church. Elle était entièrement juive. Was totally Jew for elle the record. Elle était hébraïque. It was Hebrew. Elle n'était pas protestante. Elle n'était pas évangélique. It was not evangelical. Selon, or Protestant according to. Je parle de l'évangélique, les églises évangéliques par rapport. Aux dénominations. And I'm talking about evangelical in regards of denomination. Non. No way. Non. No. C'était des vents. There were winds. Des hommes et des femmes qui pouvaient embraser toute une nation. Men and women who were able to set a fire. Alors qu'ils étaient à deux seulement. Comme a whole Paul nation where they were just two Silas. Of them, like Paul and Silas. On leur a dit ces hommes qui ont bouleversé. On disait deux, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. They said those men who overthrew the world have come all the way here. Allez demander à Paul, es-tu catholique? Go dit, and ask pas. Paul, are you Catholic? He'll say, tu es protestant? I don't know it. Are you Protestant? Je proteste contre quoi? Je ne sais they pas. Will, he will ask, what am I protesting against? Je
Je veux vous dire une chose. I want to tell you something. C'est vrai, il y a des frères et sœurs qui ont des témoignages ici et là. It's true that our brothers who have witnesses, testimonies here. Parlez-moi d'abord du témoignage de la Bible, But la parole. Please tell me about the testimony of the word of God. Qu'est-ce que ces hommes et ces femmes ont vécu avec le Seigneur? Des choses qu'on a. Dans ce livre-là, il y a tellement de choses à découvrir. What did the men and the women back in this Bible live? Là-dedans, d'abord. In this Bible, there are so much frères to discover. Brothers and sisters. Cette assemblée. This assembly. On ne parlait pas de. Quelqu'un tout à l'heure parlait de. Attends. Par rapport aux associations pour avoir de l'argent. Comment tu m'as parlé? Rappelle-moi un peu de ce que tu as dit tout à l'heure là. Moi, j'étais assez choquée qu'on puisse faire des cagnottes en ligne pour pouvoir soutenir une œuvre. On ne peut pas faire de cagnottes. Ça, c'est carrément une invention humaine. Donc, non, je suis d'accord avec toi, effectivement. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que les gens cherchent des méthodes, des voies et moyens pour aider Elohim. On n'aide pas le Créateur. People are seeking to find ways to get money, but we cannot help the Creator. Nah. No way. Quand le Seigneur m'a sorti de ces choses-là, when the Lord de toutes ces dénominations, des gens ont voulu me ramener dedans. People wanted to bring me back to non. It. Soit avec tout le monde. Be with everybody. Je ne suis pas votre pasteur. I'm not your pastor. Je ne suis pas votre apôtre. I'm not your apostle. Non, je ne fais que suivre le Seigneur. I just follow the Lord. Suivez le Seigneur. You do the same. Ah non, je ne retourne pas dans ce que j'ai vomi. I am not going back to what je refuse cela. I refuse it. Au nom de Yeshua, frères et sœurs. Alléluia! La réforme, Reformation, c'est toi qui es le plan d'Elohim. You are the plan of Elohim. C'est toi, mon ami. You are, c'est my friend. C'est toi. You are. Tu es son plan, son you projet. His plan, his project. Le cœur du Père bat pour toi. The heart of the Father is beating toi, for you. Toi. You. Tu as de l'importance à ses yeux. You are important in his eyes. Voilà pourquoi tu souffres. This is why you suffer. Voilà pourquoi tu pleures. This is why you cry. Il a été doucement avec nous. He proceeded very softly. Il allait doucement. He would proceed very softly. Il enlève la dîme. Softly. Il retire la. Il nous parle de la gratuité. Told us about the fact that everything should be free. Petit à petit, petit à petit. Little by little. Et tout dernièrement. And lastly, I mean lately. Je sentais que. Avec la révision, là, il y avait des choses à faire encore. I would feel with the revision of the Bible, there were things to be done still. Et c'est là qu'il nous a fait travailler, l'histoire. And that's when he got us, he compelled us to work on the l'histoire. Story, on the history. Il dit, regarde. He said, look. Comment on a modifié les noms des personnages bibliques? How the name of the biblical characters were amended? Comment ça? What? Comment ça? Eh ben, Eve. Ce n'est pas Eve. Her name is not actually c'est Eve. Kava. It's Kava. Oh. Comment ça? What? Et on a vu que les différents noms du Créateur étaient cachés. And we saw that the different names of the Creator were hidden. Yeshaya devient Esaïe. Yeshaya became Isaiah. Dans Yeshaya, on a Yah. In Yeshaya, you got Yah. Le nom du Créateur. The name of the Creator. Devient Esaïe. Became Isaiah. Encore en anglais, les anglais, les anglophones ont quand même essayé de garder le ya à la fin. Oh! Et on a découvert aussi and we also discovered que Dieu that God vient de Deus. Comes from Theos. Deus vient de Zeus. Comes from Zeus. Zeus était la divinité principale grecque. Was the main god in the Greek. Et Zeus. And Zeus. Son père. His father. Était qui? Who was his father? Cronos. 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 Uranus. Uranus. Sa mère. Et Zeus était. And Zeus was. Une divinité. A divinity. Polygame. A polygamous divinity. L'une de ses femmes était sa propre sœur. And one of his wives was his own sister. Et aussi pédophile. And also pédophile. Comment ça? How so? Comment ça? How so? Et Nicole, tu peux venir s'il te plaît? Can you come up here please, sister Nicole? Nicole est allemande. Nicole is German.
avec des frères et sœurs là-bas. With brothers and sisters over there. Ils viennent de traduire les quatre évangiles. They just translated the four gospels. En allemand. In German. Vous avez découvert que Gott, c'est ça, non? You discovered that God. Gott, ça vient d'un verbe. Ça veut dire invoquer une divinité avec les formules d'enchantement. Ça t'a choqué, ça? Oui. Tu ne le savais pas? Non. Tu l'as découvert il y a combien de temps? Il y a 3-4 semaines. Ça fait combien d'années que tu es convertie chrétienne? Oh, depuis longtemps. Ouais. 10 ans. Donc, Gott est un démon? Oui, pratiquement. Et vous avez remplacé Gott par quoi alors? Comment? Elohim? Et vous avez commandé combien d'exemplaires de quatre évangiles traduits en allemand? On n'a pas encore décidé. On va 1000. 1000 exemplaires, ouais. Donc, on va participer. Hein, William, on avait dit, faites la commande, on va se voir pour faire le point. Enfin, la BIM en allemand. D'abord les quatre évangiles, ensuite ça va être le reste, tout ça là. Merci Seigneur pour le travail que vous faites. Là, ils font un travail, mes amis, et ils nous ont beaucoup aidés. Que le Seigneur soit béni. Oui, Nicole. Il y a un frère de la Suisse, il a déjà commencé la Genèse. Le frère, effectivement. En allemand aussi. Oh Seigneur. Il y aura la BIM en allemand. There will be the Bible of Yeshua Mashiach in English, in German, in Lingala, in Bahule, dans toutes les langues. Oh, every language in the name of Jesus, in every language. Vous vous rendez compte? You realize que la francophonie, that French-speaking countries, les pays francophones allemands comptent plus de 300 millions de personnes, plus de 300 millions de personnes. The French-speaking countries number more than 300 millions. People, inhabitants. Avec une trentaine de versions de la Bible. With like about 30 different versions of the Bible. Et il y a seulement la Shuraki qui a traduit Elohim correctement. And it's only the Shuraki version who translated the name of Elohim correctly. La Bible Shuraki. The Shuraki Bible. Que vous pouvez aussi lire. That you can also une read. Traduction qui est pas mal. A very good translation. Vous vous rendez compte? You realize? Mon frère Paul. Et cette version, c'est la seule à avoir traduit correctement le nom de Yehoshua. Comment ça se fait? And this version is the only one who properly translated the name of Yehoshua. How is that so? Nous ne disons pas que ceux qui disent Dieu faut les condamner. Non, non. I'm not saying that you should condemn those who say God. We're not saying this. Que ceux qui disent Jésus faut les condamner. Non, pas du tout. C'est pas notre message. Jesus, you should condemn them. No, that's Mais not vous the savez, point. En traduisant Elohim par Zeus, Theos. But what you need to understand is that by translating certains pères de l'église Elohim by Theos or Zeus, some lose the church. Qui était judéophobe, antisémite, antisémite. Qui était judéophobe? They were. Say that again. Anti-Semites. Ont voulu nous détacher de la racine hébraïque. They wanted to detach us from the Hebraic roots. La foi chrétienne, the Christian faith, a pour père Abraham. Has Abraham as a father. Has a father. Alléluia. Praise God. Ne l'oubliez jamais. Never forget it. Jamais. Never. Tu ne peux pas être disciple de Yehoshua. You can't be disciple of Yehoshua. Et détester les Juifs. And hate the Jews. Parce que Yehoshua homme était 100% juif. Because Yehoshua man was 100% Jew. Il a dit à la femme samaritaine. And he said to the Samaritan woman. Le salut vient de. Salvation comes non, from non, the Jews. Non, j'ai pas entendu bien comme il faut. I didn't hear it. Salvation comes from the Jews. Paul a dit quoi? What did Paul say? Aux chrétiens de Rome. To the Roman Christians. Ne vous conformez pas au siècle présent. Do not be conformed with the present time. Mais les chrétiens de Rome. But the Roman Christians, qu'est-ce qu'ils ont fait? What did they do? Ils se sont conformés au siècle présent. They conformed to the present time. Ben, ils ont imité l'Empire romain. And they mimicked the Roman Empire. Et l'Église catholique, c'est l'Empire romain. And Catholic, Roman Catholicism, l'Église protestante, l'Empire romain. Is the Roman Empire. Ça choque, mais c'est comme ça. It's offensive, but vous it's pas d'accord? Ben, mettez-moi en prison, je veux continuer à parler.
Even if you try to jail me, still I will speak. Alléluia! Vous voulez que je parle? Should I speak on? Je parlerai. I shall speak on. Non, il y a des catholiques qui sont sincères. There are des protestants Catholic qui sont sincères. Sincere, des évangéliques people, qui sont sincères. Are sincere evangelical. Mais la sincérité people. N'est pas synonyme de vérité. But sincerity doesn't mean truth. Le Seigneur truth. Aime tout le monde. The Lord loves everybody. Mais la vérité est la vérité. But the truth remains the truth. Nous ne vous disons pas de nous suivre nous. We're not telling you to non, follow nous vous disons us. De prendre la vie de vérifier la parole. All I'm saying is la réforme, and verify. C'est le retour au fondement biblique. Reformation is the return to à the la foi d'Abraham. Foundation. Abraham n'était pas trinitaire. Abraham was not trinitarian. Je vous recommande un livre, à part la Bible, un livre d'un historien pasteur. Aside from the Bible, I will recommend a book from a historian. Les deux Babylones. The two Babylons. C'est un gros livre épais. It's a huge old book. Il y a beaucoup, very beaucoup, thick. Il y a beaucoup de choses que cet homme a dites. It's a lot of things par that rapport à l'histoire, l'origine de choses. Regarding the history, the origin of les things. Les deux Babylones. The two Babylons. Alexandre Hislop. Je ne l'ai pas connu. Alexander Hislop. Mais il a détaillé, il a montré à quel point le christianisme actuel details. Est fortement influencé par le monde, he le paganisme. How much the Christianity of today is influenced, the modern Christianity is influenced. Il faut une réforme. A reformation is needed. Pourquoi le Seigneur a voulu que son nom soit de nouveau restauré? Why did the Lord want to for his name to be restored? Je veux dire à quelqu'un. Restored. I want to tell someone. Tu peux effectivement invoquer le nom de Yehoshua. Well, you can call upon the name of Yehoshua. Et aller quand même en enfer. And still go to hell. Parce que tu pratiques le péché. Because you practice sin. Tu comprends? You hear me? Elohim. Elohim. Pourquoi Elohim? Why Elohim? C'est le juge. The judge. Elohim. Elohim. Dans Elohim. In the name Elohim. Vous avez Eloah. There's Elohah. Vous avez El. There's El. L'ange a dit à Myriam. The angel said to Miriam. Cet enfant. This child. S'appellera Emmanuel. Will be named Emmanuel. Emmanuel. Will be named Emmanuel. E-L. E-L. Beth-El. Bethel. E-L. E-L. C'est le fort. Means the strong. Vous vous rendez compte? Le fort. The strong. Le fort. The strong one. Pourquoi? Why? Il a dit, mon peuple connaîtra mon nom. He said, my people shall know il my name. Il saura en ce jour-là in this day, que je suis parle. He will know that frère, I am sœur, my brother, my sister. Si les apôtres étaient là aujourd'hui, if the apostles were still here today, qu'on appelait, and we would call Étienne, Étienne ne répondrait pas. And we would call Stephen, parce que ce n'est pas Étienne. Because his name is not... The equivalent in French is Étienne, but in English it's Stephen. Étienne, Étienne, non, c'est Étienne. Stéphanos, bien sûr. His name is Stephanos. On a tout modifié. Everything has been amended. On dit mais c'est pas grave, c'est pas salutaire. Well, it's not. Mais les noms ne doivent pas être traduits. But the name should remain translated. Je m'appelle Kwetu si je pars en Chine. C'est Kwetu. Name should not be translated. My name is Jesse. If I go to China, my name should remain Jesse. Il restaure ça. Pourquoi? He's restoring his word. Il y a une why? Raison. There's a reason why. Il faut que la vérité soit dévoilée. The truth has to be unveiled. La réforme. Reformation. On revient aux sources. We're going back to the roots. Et on découvre la foi d'Abraham. And we discover the faith of Abraham. Abraham, le Seigneur l'a sorti de la Mésopotamie. The Lord brought out Abraham de from Mesopotamia. From idolatry. Vous avez vu? See? Ce Dieu a trois têtes. This three-headed God. C'est ça la Trinité. This is what Trinity is all about. Trois têtes comme chez les hindous. Three-headed, like in the Hindu. Ce christianisme est fortement influencé par le monde. This Christianity is strongly influenced by des the world. Des chanteurs sont devenus des stars. Gospel singers have become stars. On les adore. They are being worshipped. On prend des selfies avec. They are taking selfies with them. Des pasteurs qui prêchent, et pendant qu'ils prêchent, on donne de l'argent. Pastors preaching it, and as they're preaching, people come in and drop money at their feet. Et on ne vous dit pas.
And you are not told que l'église c'est pas un lieu that the church is not an actual où l'on place se rend. Where people head to. L'église, the church, l'assemblée, the assembly, c'est deux ou trois personnes is two or three people qui se mettent ensemble coming together autour de la parole around the word et qui invoquent le Seigneur. And together même call si upon the name pasteur, of the Lord. Even there's no pastor, même si y a pas d'apôtre, even there's no apostle, là est l'église, there frère. Is the church. Hallelujah! You guys. La réforme Reformation commence d'abord par starts la with connaissance du véritable créateur. Knowing the true qui creator. Est le créateur. Who is the creator? La connaissance du créateur. Knowing the creator. C'est la première chose que le Seigneur donne aux humains. Is the first thing that the Lord allows. Il se dévoile. To man, he unveils himself. Tu n'as pas besoin de me connaître. You don't need to know me. Je suis marié. I'm married. Ça me suffit. It's enough. Toi, femme, you woman, va vers le Seigneur. Go to the Lord. Alléluia! Je veux parler. I will talk. Voulez-je je parle? You want me to speak on? On dit on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas, mais le Seigneur lui par contre on peut le voir tout le temps. Paul. Paul. Qui avait le numéro de téléphone de Paul? Who did? Who had Paul's number? De Paulos. Qui avait son adresse email? Who had his email address? Qui avait son WhatsApp? Who had his WhatsApp? Qui? Who? Quand il était en prison là-bas? When he was in prison. Oh non, mon pasteur, j'ai pas son numéro. Oh, I don't have my pastor's phone number. La réforme, in the reformation, c'est quoi? What is reformation? C'est le Seigneur, is the Lord, qui se révèle à toi, who reveals himself to you, ton berger, as your shepherd. Yahweh est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai. I shall not want. Vous savez pourquoi vous manquez de tout? You know why we we're, je you parle pas de want l'argent. You want everything. I'm not talking je money parle wise. De la paix. I'm talking about peace. Parce que beaucoup n'ont pas pour berger le maître. Because lots of us don't have the shepherd, the master as aucun the shepherd. Aucun chrétien de la première église d'appeler un homme mon pasteur. No Christians from the first church would call a man my pastor. Il y a des gens qui me disent, frère, on n'arrive même pas à te joindre, mes frères. Parfois, some people tell me, some, parfois, ça me met en colère. Some people tell me, well, we have a hard time reaching out to you. Sometimes, I'm not gonna lie, it kind of gets under my skin. Je leur dis, mais attendez. I'm like, je n'ai pas le droit you guys can't de changer I mon numéro. Change my number, really? Je n'ai pas le droit. Am I not allowed? C'est écrit où qu'il ne faut pas faire ça? Where is it written that I shouldn't do it? Je n'ai pas le droit de ne pas être joignable. Am I not allowed to not be reachable frère, for a minute? Tu as le droit de ne pas être joignable. Brother, you c'est are ta allowed liberté to not be reachable if you will. Voilà, je parle. It's your freedom. On va parler. We will speak. Quelqu'un a dit, invoque-moi. Somebody said, call upon me. Et je te répondrai. And I shall answer you. Je t'annoncerai de grandes choses. I will tell you great things. Des choses cachées que tu ne connais hidden pas. Hidden things that you don't know. Oh, yo. On va vous laisser avec le Seigneur. We're going to leave you with on va the vous Lord. Laisser au pied du Seigneur. We're going to leave you at the feet c'est of ça, the Lord. L'évangile. This is the true gospel. Regarde. Look here. Regarde. Look. Vous êtes là? Are you here? Yohanan. Le Baptiste. The Baptist. Il avait des disciples, n'est-ce pas? He had disciples. Now, did he? Un jour. One day. Il était avec ses disciples. He was with his disciples. Tu le suivais partout. They were following him around. Et il voit Yehoshua marcher. And he saw Jesus walking quelle by. Quelle démarche. What a walk, une you guys. Une démarche excellente. What an excellent walk. Une robe d'une seule couture. Like a plain quand robe. Quand il pose le pied droit au sol, il y a une mélodie magnifique. When he sets his right foot, there's a celestial quand melody. Quand il pose le pied gauche, une mélodie. When he sets his left foot, harmonious, like a harmonious melody. Jean le regarde. Johannan looked les over. Regardez disciples aussi. Looked over. Il dit voici. He said behold. Voilà la réforme. This is the reformation. Voici. Behold. Voici. Behold. Nous sommes là. We are here. Pour présenter quelqu'un. We're introducing voici. Somebody. Behold. Quand les gens viennent, when people come, et disent, le frère sera and prié, say, on a brother été Jesse prayed and you will God heal. Voici. We say, no, you guys. Voici. Behold. Voici. Behold. L'agneau. The lamb. L'agneau. The lamb. L'élohim. Of Elohim. Hôte. Which who takes away ton fardeau, your burden, ne peut être ôté que par un seul can only homme, be taken away by one man. Par un seul créateur. One soul creator. L'élohim. Elohim. D'Abraham. L'Elohim d'Isaac, the Elohim of Isaac, et de Jacob, and Jacob, voilà l'évangile. Jacob.
Il dit voici. He said, behold. Et nous sommes dans Jean 1. We are in John 1. Et plus loin. And farther down. Le lendemain. Further on down. Dit, on the il était encore là avec ses disciples. He was still with his disciples. C'est-à-dire. Meaning. Premièrement. On the first. Il leur a dit voici l'agneau. First up, he told him, behold the lamb, which takes away the sin of man. The Lamb of Elohim. Jean voulait que ses disciples suivent l'agneau. John wanted his disciples to follow the lamb. Mais ils n'ont pas compris. They didn't ils restaient avec Jean. They would attach themselves to John. Dans le même chapitre. In the same chapter. On nous dit le lendemain. We are told on the next day. Yeshua a fait exprès. Hein. Il est repassé par le même chemin. He came back through the same way. He did it on purpose. Si tu n'as pas saisi la première visitation, tu saisiras la deuxième visitation. If you didn't get the first visitation, you will get the second one. Hey! 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 Jean reçoit le même message. John received the same message. Paul dit. Paul says. Je ne me lasse. I am not getting. De vous écrire les mêmes choses. I'm not fencing to write you the same thing. Cela est salutaire. Because this is pour this vous. Brings salvation to you. Même si tu n'es pas d'accord, je continuerai à dire even if you choses. Disagree, I will keep on saying the same thing. Jusqu'à ce que tu ailles vers l'agneau. Until you go towards the lamb. Il dit voici l'agneau. He said, behold the lamb. Qui ôte le péché du monde. Who takes away the sin cette of the world. Cette fois-ci, les disciples ont saisi. This time around, the disciples ils ont suivi l'agneau. The word, and they followed the lamb. Derrière. Behind, right behind. L'agneau s'arrête. The lamb stops. Son cortège s'arrête. His own procession stops. Il a un cortège. He has a procession. S'arrête. They all stop. Il se retourne. He turned around. Il dit que cherchez-vous. He said, what are you looking for? Il dit rabbi. They said, rabbi. Docteur. Doctor. Il est le docteur des docteurs. He is the doctor of the doctors. Come on. Où demeures-tu? Where do you live? Il les a pas rejetés. Venez. He didn't reject them. He said, come venez. Along. He said, come along. Venez. He said, come along. Ils le suivent. They followed him. They ils followed ont vu là où il demeure. And they saw where Jesus je would là où stay. Il demeurait. I would say where he used to live. Là où il demeure. Where is il living. Il y a plusieurs demeures. There are many dans houses. Dans la maison de mon père. Oh, there are many mansions in the house of my father. Et touchés, ils ont quitté Jean. They left John. Ah, j'aime ça. I love it. Quand les gens ne me calculent plus. When people don't pay no mind to ah, j'aime more. Ça. I love it, you quand guys. J'en prends, j'entends, il y a des associations qui se créent. When I hear associations are being put together without me knowing it, I'm like. Quand j'entends des frères qui travaillent sans coup, sans savoir où est Shora. When I hear people working without seeking to know where I'm at, I love it. Et il y en avait un autre, disciple. And he was another disciple in qui the Bible. Sous un figuier en train d'étudier la he Torah. Was under a fig tree studying the Torah. Le figuier avec sa cime, n'est-ce pas, était un arbre, n'est-ce pas, idéal pour la méditation. Parce que ça te couvre et personne ne te voit de loin. Et là, tu peux méditer tranquillement. So the fig tree was very, very, very important for that man because of the leaves, the way that the leaves are set. People can see you from a distance. And it's a good place et to meditate, to study the Bible, Nathanael, the Torah. Nathaniel était en train de méditer caché. Was studying. He was hidden under that tree. Mais les yeux, but the eyes, de Loa, of Eloha, Yehoshua, Yehoshua, Elohim, Elohim, l'ont vu. Saw right through. Il dit avant que Philippe ne t'appelle. He said before quand Philippe te told you, when you were under that fig tree, I was able to see you. I saw voici. You. Behold. Voici. Behold. Voici. Behold. Il ne s'est pas arrêté là. He didn't stop there. On l'arrête. He got arrested. On le livre à Pilate. He was handed over to Pilate, un Romain, a Roman man, un païen, a pagan, qui n'avait pas la révélation, who didn't have the revelation. Arrête le Seigneur. Arrested the Lord. Il l'examine. He examined him. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. From the head to the sole of his feet. Il ne voit rien. Couldn't see anything. Nous parlons de la restauration. We're speaking about the revelation. Ça commence par la révélation du Créateur. It starts with the revelation of the Creator. Il examine. He examined him. Aucune tache. No spots. Une beauté terrible. A wonderful beauty. Il est dignement digne. He is worthily worthy. Il dit, mais il n'y a aucune tache. He said, well, there's no stain, there's no spots. Donne-moi ta main gauche. Il dit, viens. He said, come. Prends la main du Seigneur. Take the hand of the Lord. Ça va, Yannick? How are you, Yannick? Il dit quoi aux gens? Il se présente devant les Juifs. He introduced himself to the Jews. Un païen.
a pagan qui n'avait jamais lu la Torah, who had never read the Torah, qui prend Yehoshua, took Yehoshua, la personne, le personnage central de la Torah, the most important character in the Torah. He took him by the hand. Il va voir les chefs religieux qui avaient la Torah. Went to the religious chiefs of the Torah. Qui la lisait chaque Shabbat dans le temple. Who would read? Who would? Il leur amène Yehoshua. They brought. Il leur dit. Jesus, voici l'homme. And he said, behold the man. Voici l'homme. Behold the man. Quel homme? What man? Qui est venu restaurer l'être humain? Who came and restored the human being? La gloire de la seconde maison, the glory of the second house, sera plus grande, will be greater, que celle de la than the one of the first one. Ce réveil là, this revival, personne ne peut l'éteindre. Can nobody stifle it? C'est le commencement d'une longue histoire. It's the beginning of a long story. De guerriers et de guerrières, the warriors and the female warriors. Le Seigneur ne permet pas à ce que cette parole soit donnée aux uns aux autres pour nous faire plaisir. The Lord does not allow this word to be given to people. Ça amène le jugement. To please, it's the sword and it brings the judgment. On ne doit pas s'en glorifier. We should not find glory in this. Il y en a qui l'ont reçu avant nous. Some received this message before us. Beaucoup de Juifs savent que c'est Yehoshua, many Elohim, Jews know that it's Adonai, Yehoshua, Elohim, Adonai. Le plus important, but the most important thing, c'est la vie, is life, d'Adonai dans nos cœurs, the life of Adonai in our lives, les fruits, in our hearts, the fruits. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. It's not an intellectual c'est la knowledge. Vie. It's life, the life. La vie. It's the life that matters. C'est le jugement. Judgment. Il ne nous enseigne pas pour que nous devenions orgueilleux. He doesn't teach us in order for us to be prideful. C'est une responsabilité. It's a responsibility. Une grande responsabilité. A great responsibility. Une sœur est venue me voir pendant la pause dehors. A sister came to me during the break. Elle me dit c'est le départ de quelque chose de nouveau. And she told me it's the departure for something new. It's the beginning for something new. Elle parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. And she was being inspired by the Holy Spirit as she was speaking. Et c'est vraiment la convocation du Seigneur. And it's the convocation. Cette réunion. It's the calling of the Lord. Those meetings. Il a convoqué tout le monde. The Lord has called everybody. Il y en a qui ne sont pas là physiquement, mais ils sont connectés. Ils sont some là. Are not here physically, d'autres but they are pas connected. Avec nous physiquement. D'autres nous ne les connaissons pas. We may not even know them. Mais ils sont membres du corps de Yehoshua. But they are members of the body of Yehoshua. Il y en a, on le connaîtra jamais physiquement. Some of them we will never know them physically. Ils prient partout ici they et là. They pray here and there. Ils ne sont pas de ces assemblées là. They are not of these very assemblies. D'autres assemblées. Other assemblies. Qui confessent le nom du Seigneur. Where the name of the Lord is confessed. Ce sont nos frères et sœurs. Is professed. Is those are it's proclaimed, I'm sorry. These are qui sont dans les assemblées protestantes. Some of them are in Protestant et qui churches. Aiment le Seigneur véritablement. But they really love the Lord. They truly love him. Qui vivent simplement l'évangile. They simply live the gospel. Ce sont nos frères et sœurs. These are our brothers and sisters. Disciples de Yehoshua. Disciples of Yehoshua. Ne l'oubliez jamais. Never forget that. Jamais. Ever. Nous ne vous disons pas de prier avec d'autres frères et sœurs. We're not telling you to pray with other non. brothers. C'est pas l'évangile. That's not the gospel. Quelqu'un aime le Seigneur? If somebody loves the Lord. Quelqu'un est sincère avec le Seigneur? If somebody is sincere. Quelqu'un le cherche sincèrement? If somebody is seeking him truly. Il ne pratique pas volontairement le péché. He does not willingly practice sin. C'est votre frère, votre sœur. They are your brother c'est ça, l'évangile. And your sister. And this is the gospel. Nous ne disons jamais. We never allez say, évangéliser pour amener les gens à nous. Go and evangelize non. to bring people to us. Never. Non. This has never been the message. Nous ne disons jamais. We never say. Quittez vos églises pour venir dans les églises que nous connaissons. Non. Leave your churches to come to our c'est churches. C'est pas ça l'évangile. This is not the message. Non. This is not the gospel. Ce n'est pas ce que nous prêchons. That's not our message. Ce n'est pas ce que Paul a prêché. That's not what it is not Paul's message. La réforme, the reformation, c'est le message de la croix. Is the message of the cross. La croix, cross, c'est l'instrument
par excellence que le Seigneur a utilisé pour réformer le cœur de l'homme. Is the excellent instrument the Lord has used to reform the heart of man. Parce qu'il voulait de nouveau habiter l'homme. Because all the way you knew the Lord wanted to inhabit the man's heart. Life. La vie. Life. La réforme. Reformation. C'est la vie. Is life. Simply. Il nous change. Il nous remplit de sa vie. Changes us and c'est fills tout. Us up with his life. That's it. Et une fois que tu as cette vie, and as soon as you own this life, tu n'as pas besoin d'aller chercher à intégrer un groupe. You don't need to go and join a group. No. Laisse le Seigneur let the Lord te recommander aux gens. Recommend you to others. Laisse les gens venir te voir pour te dire. Let people come to you and tell you. Veux-tu collaborer avec nous? Please come and join us. Non. No. Laissez le Seigneur vous recommander. Let the Lord recommend you. C'est cela l'évangile. This is the gospel. N'allez pas condamner les gens. Do not go out and non. condemn quand nous people. Dénonçons le système religieux, we expose the religious nous system. Nous ne condamnons pas les hommes. But we do not expose men. Non. No. We do not condemn men. Le message de l'évangile, the message of the gospel, c'est la réforme de nos cœurs. Is the heart reformation. Pour retrouver cette réforme nous permet d'être de nouveau en relation avec le Père céleste. This reformation allows us to be in fellowship with notre couverture spirituelle. Our spiritual cover. Je ne suis covering. Pas votre couverture spirituelle. I'm not your spiritual cover. Jésus n'est pas votre couverture spirituelle. I'm not your spiritual cover. Aucun être humain ne pourra vous couvrir spirituellement. No human being could ever cover you physically, spiritually. Non. Ever. C'est du mensonge. This is pure lie. Quand je dors, when I sleep, qui peut te protéger? Who qui te protège? Who protects me? When you sleep, who protects quand Jésus you? Dort, qui peut te protéger? Qui te protège? Who protects you? La relation avec le Père. The fellowship with the Father. Ce n'est pas de l'orgueil. It's not pride. Il y en a qui vont dire, mais il ne veut pas être avec les autres parce some qu'il est orgueilleux. Some people might say that he doesn't want to join people. Mais be with people because he doesn't. Tu es avec les enfants proud. Du Seigneur qui sont partout. Well, you are with the children of. On of était au Maroc. Everywhere we went down to on Morocco. On a rencontré des enfants d'Elohim. We met children of Elohim. Ils ne prient pas physiquement avec they nous. They do not physically pray with us. Ce sont nos frères et sœurs. But still they are our brothers. On les encourage. We encourage them. Ne nous faites pas, ne me faites pas rentrer dans une dénomination, fédération quelconque. Non. Do not box me in a federation non. or anything. J'ai eu une vision hier matin pendant que je dormais. Yesterday I had a vision as I was sleeping. J'étais dans une maison. I was in a house. Il y avait deux groupes de personnes qui se tenaient par la main. There were two groups of people that were joining hands. En forme de cercle. Forming a circle. Et quelqu'un est venu me disant entre dans l'un des cercles. And somebody came and told me enter into dit, non. the circle. I said no. Je suis sorti de cette maison là. And I left this house. Non. No way. Non. No way. Il y a des pasteurs, des frères et sœurs, des apôtres, des prophètes que nous there connaissons, pastors, brothers and sisters, apostles that we know, avec qui on peut partager, whom we can et on share. S'encourage. And we encourage each other. C'est cela l'évangile. This is the gospel, the simplicity of the gospel. Ils sont égyptiens. They are from Egypt. Ils sont maghrébins. They are from Maghreb. Ils sont antillais. They are West Indian. Ils sont européens. They are European. Ils sont noirs. They are black. Blancs. White, asiatiques. Asian. Métis. A mix, peu importe leurs origines. Whatever their race, whatever their origin. C'est la relation it all, avec it's le all Père. About the fellowship with the Father. C'est cela que le Seigneur veut. And this is what the Lord wants. Prêcher, preach, c'est bien. Preaching is nice. Mettre en place des associations, c'est bien. Putting pour aider together les autres. Associations, it's nice. Mais être en relation avec le Père. But having a fellowship with the Father. Sans passer par les hommes. Without going sans through passer men, par une église locale. Without going through a physical, par un prophète, a local un apôtre. Like a apostle, c'est prophet, mieux. It's even better. Et ensuite la réforme. And then reformation. C'est aller assister les autres. Is all about going and assist. Vous avez others. Des gens qui sont affamés. There are people who are hungered. Nourrissons-les. Let's feed them. Vous avez des femmes qui sont violées. There are women that are raped. Défendons-les. Let's defend. Let's stick up for vous avez them. Des enfants qui sont battus. There are children that are battered. Défendons and mistreated. Let's ces enfants-là. Stick up for them. Vous avez des policiers qui sont insultés. There are police officers who were insulted. Défendons-les. Let's stick up for them. Car l'évangile, because the gospel, c'est le respect des autorités. Is the respect of authorities also. Le président, the president, les ministres, ministers, les gendarmes,
the patrols, les autorités, the authorities, comme la parole le dit, like the Bible states it. Il y a eu un homme. There was a man. Que le Seigneur a utilisé puissamment dans un réveil. That the Lord mightily used in a revival. Au pays de Galles. In Wales. Roberts. Evans Roberts. Un jeune de 25 ans. A 25-year-old man. Puissamment utilisé par le Seigneur. Mightily used by the Lord. C'était le vent de l'esprit qui avait soufflé dans sa vie. It was the wind of the spirit that had blown in his life. Il communiquait la vie partout. He was communicating life le everywhere. Feu prenait partout. Fire would be set everywhere. Des guérisons s'opéraient. Healings would les gens happen. Quittaient le péché. People would shun sin. Un couple va le voir. A couple went to him pour lui dire, to tell him, sors, tu es trop en avant, écarte-toi. A couple went to him and told him, au lieu d'écouter le Seigneur, you are too, il a écouté ce couple. You're too much to the forefront. Le réveil s'est arrêté. Instead of listening to the Lord, he listened to that couple. Le message de la réforme. And revival stopped right there and then. C'est the message of reformation is listen. De l'esprit. The message of the reformation is listening to the spirit. Le Seigneur, sa parole que les hommes. Listening more the word of God versus people. Même ce que moi je vous dis, vérifiez dans la parole. Even everything, anything that un apôtre, un prophète, un pasteur qui vous parle, vérifiez dans la parole. A prophet, pastor, apostle tells you something, double check in the Bible. Quelqu'un t'insulte, bénis. Somebody calls you out your name, bless him. Quelqu'un te maudit, bénis-le. Somebody curses you, bless him. N'envoyez pas le feu chez vos ennemis. Don't send fire. Quelqu'un te to people's house. Somebody criticizes you. Mets-toi à part, prie pour lui. Just withdraw yourself and pray for him. On te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. You're being struck on the right cheek, show your left cheek. Tu es médecin, chrétien. You're a doctor, Christian doctor. Tu es pharmacien. You are a pharmacist. Tu es électricien, plombier. You are a plumber. Qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? What can you do for others? Il y a des gens qui ont besoin des médicaments. There are people who need medicine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner ces personnes what malades? What can we do to heal those people, those sick people here and there? Pour finir, and to conclude, il nous réforme. He reforms us. Il nous communique sa parole. He gives us his word. Pour nous changer, parce que seule la parole nous change. To change us, peut because only the word of God can change us. Pourquoi il le fait? Why is he doing this? Parce qu'il why this process? Il revient. Because he's coming. Il revient. Because he's coming back. Il revient. He's coming back. Il revient. He's coming back. Vous ne voyez pas? Don't you see? Dans le monde. Around the world, tout va mal. Everything goes left. Le maître revient. The Lord is coming back. Les noces. The wedding. Tout est prêt. Everything's ready. Il est en train dans les nations de réveiller son église. He's reviving his church throughout the nations. Les élus, the elect, entendent le son du hear chauffard. The sound of the trumpet. Ils le saisissent. And they grasp it. Ils tremblent. They shake. Ils se sanctifient. They sanctify. Ils sortent de Babylone. They come out of Babylon. Ils quittent le péché. They leave sin. Ils se repentent. They repent. Ils se sanctifient. They sanctify. Ils confessent leur péché. They confess. Ils redeviennent comme they des enfants. Their sin. They come, they become et like suivent children. Le maître. And they follow the master. Le berger. The shepherd. Bientôt. Soon. Il y aura une disparition massive des saints du monde entier. There will be a massive disappearing of the holies from the whole wide world, the great departure. Ce qu'il nous demande, what he requires après of ce us travail, after this work, de la traduction, c'est d'aller partout pour expliquer. Of the translation of the Bible is to go around and explain it. Les Anglais ont déjà fait ce travail-là. English people have already made the, done this work. Il y a des Bibles anglaises qui sont traduites comme ça. There are English Bibles that are translated after. Le Seigneur aime la francophonie. The Lord likes French-speaking countries. Il y a un monsieur canadien. It's a Canadian man. On m'a montré une vidéo d'un monsieur canadien de plus de 70 ans. A man over 70 years old. Qui a reçu. He received. Que le réveil qui va secouer l'église.
from the Lord, that the revival that will shake the church. Parce qu'il y a le réveil de la fausse église, l'apostasie, et il y a le réveil de la vraie église, parce que les dix vierges se sont réveillées selon la parole. So there is the revival of the false church and the revival also of the true church, as in the Bible, the ten virgins, they woke up at the same time. Donc il y a deux réveils. So there are two revivals. L'augmentation du mal dans le monde. The increase of evil in the world. Et les vrais saints prennent conscience de leur état et se sanctifient davantage. C'est ce réveil personnel. And the true elect, the true holies realize. Cet homme disait. Their state and their revive. And this man would say. Que ce réveil. That this revival. Une des particularités de ce réveil, c'est la restauration du nom de Yahushua. One of the aspects of this revival is the revelation of the name of Yahushua. Je dis bien, on n'est pas les seuls. And I'm telling you, we're not the only ones. Pas du tout. Not at all. Vous allez rentrer chez vous. As you go home, n'allez pas dire le frère a dit, les sœurs ont dit. Don't go around and say the brother said or the sisters. Le Seigneur dit. The Lord says. On n'a pas pu présenter tout le monde. We couldn't introduce everybody. Le frère de Côte d'Ivoire comme Yannick. The brothers from Ivory Coast. Tata Edmé de Côte d'Ivoire. Thierry qui est de la Martinique, de Guadeloupe pardon, et qui s'est installé en Guadeloupe, enfin en Côte d'Ivoire. Des frères et sœurs d'Irlande, des frères et sœurs de from Ireland, plusieurs pays, Allemagne, from Belgique, Germany, et plusieurs Belgium, pays, different countries. États-Unis, Baltimore, the States, Baltimore, tout ça. Vous êtes venus de pas mal d'endroits. You came from everywhere. Même si on ne vous a pas invité devant, le Seigneur vous connaît. Even if you weren't brought forward, the Lord knows you. Quelqu'un est venu du Maghreb, de Tunis, et la personne, la sœur, rentre dimanche, je crois. And this person goes back on Sunday. Juste to pour prier Tunisia. Avec nous. She just came. This person just came to pray with us. Il y a un réveil dans le Maghreb. It's a revival happening in Maghreb. Même en Irak. Even même in Arabie Saoudite. Even in Saudi Arabia. Le Seigneur apparaît aux musulmans. The Lord is revealing himself to Muslims. Wow. Je bénis le Seigneur pour le peuple arabe. I bless the Lord for Arabs. C'est un peuple de guerrier. It's a people of warrior. Il aime les Arabes. He loves Arabs. Ah oui. Yes, he does. Que les Égyptiens, les Marocains, may les Algériens, Moroccan, Algerians, Tunisians, ceux d'Arabie Saoudite, Saudi Arabian, les Tunisiens, et plein d'autres, and others, soient bénis. Be blessed. Au nom de Yahushua. In the name of Jesus. Ce qu'il me demande à moi, what he requires of me, c'est de crier seulement. Is to cry. Ne me demandez pas autre chose. Don't ask anything else from me. Ne venez pas me voir pour me dire frère, forme-moi. Don't ask anything else of me. Il m'a dit don't de crier. Come and ask me to train you. This is not what the Lord has called me to. Je me limite à cela. I only limit myself to what the Lord has asked of me. De crier. Cry. Et des choses qui se restaurent. And things are being restored. Retrouvez votre intimité. Find your intimacy. Avec Yahushua. With Yahushua. Il est beau. He is handsome. Il est beau. He is handsome. Il a des beaux yeux. He has beautiful eyes. Des cheveux magnifiques. Wonderful hair. Un sourire magnifique. A wonderful smile. Il est doux. He is gentle. Allez vers lui. Go to him. Faites-lui confiance. Trust him. Invoquez-le. Call upon him. Criez vers lui. Cry over to him. Et vous verrez. Cry unto him and you'll see. Même s'il ne répond pas, continuez. Even if he doesn't answer, keep doing it. Keep going.
rien que son nom, his soul name, délivre quelqu'un là de la mort. Is freeing somebody here. Au nom de Yeshua. From death, right now in the name of Jesus. La mort s'en va. Death is coming out. Fini. It's over. La chaîne de la mort est brisée. The chain of death is broken. Oui. You see? Juste son nom. His soul name. Le nom de la personne est effacé de la liste de la mort. The name of this person is blotted out of the list of death. Vous avez vu? Esprit de mort. Spirit of death. Sort. Come out. Dans cette famille, in his family, la mort a dominé. La mort a régné. Death has been. Là, c'est la fin. Fini. It's over. Rien que son nom. His soul name. Délivre quelqu'un. Deliver somebody. D'un mariage nocturne. From a nightly wedding. Fini ton mari de nuit. Your nightly husband. Fini. Is gone. Il y en a qui disent non, ça n'existe pas les maris de nuit. Some people say, well, nightly husband is not a thing. Really? Night spirits is not a thing. Quelqu'un souffre ici. Somebody suffers here. Quelqu'un ne dort pas normalement ici. Somebody does not sleep properly here. Quelqu'un est en train de recevoir sa libération ici. Somebody is receiving his deliverance. Sa restauration. His restoration. Définitive. Definitive one. In the name of Jesus. In the name of Yeshua. Fini. Over. L'oppression. Oppression. La condamnation. Condemnation. Tout ça s'est effacé. All of this blotted out. Effacé. Blotted out. Tu vois? See? Effacé. Blotted out. Effacé. Blotted out. Quelqu'un d'autre? Someone else. La peur. Fear. Retiré. Gone. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. La peur. Fear. Gone. Fini. Of over. Esprit de peur. Spirit of fear. Qui paralyse ta vie. That paralyzes your life. C'est fini. It's over. C'est réglé. It's done. C'est réglé. It's done. Quelqu'un. Someone else. Un totem. A totem. Dans la famille, un serpent. A snake. Le Seigneur le chasse. The Lord is casting it out. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Fini ce serpent là. Over, the snake is gone. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Tu n'as plus de place dans ce corps. You have no room. Le Seigneur a vu. The Lord saw. Tes manigances. Your schemes. Tu as maltraité ce corps. You mistreated that body. Tu maltraites cette personne. You're still mistreating that person. Tu vas lâcher son âme. You come out of her soul. Tu vas quitter son corps. Come out of her body. Et tu ne vas plus revenir. And you'll never come back. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Fini. Over. Oh, fini. Over. Oh, fini. Over. Père, merci. Father God, thank you.